king of the road. Trader or sailor man. Man, trader or sailor man. Ain't got no cigarettes, but trader or sailor man. تغطيتنا لأهم الأحداث التجارية الاقتصادية وحتى السياسية في الجزائر لموقعنا الجزائر. نتابع اليوم افتتاح محل غريسلي في سيدي يحيى بالجزائر العاصمة للبدلات الجاهزة بعلامة جزائرية فرنسية. تابعوا معنا. Applaudissements. Bravo. Mabrouk. Messieurs, dames, bonjour. Donc bienvenue, merci d'être venus nombreux. Comme vous le savez, j'ai créé ma marque Gressley en 2015, il y a maintenant 7 ans. J'ai développé mes produits depuis 7 ans. J'ai un peu ému. C'est normal, hein? C'est ça. C'est une naissance un peu. Quoi dire de plus? Je voulais remercier déjà avant tout mon papa qui est ici, mon oncle, ma maman malheureusement qui n'est plus là, à qui je pense beaucoup. C'est grâce à eux que je suis ici aujourd'hui, que j'ai pu réussir. Voilà, l'aventure Gressley a commencé à Toulouse et commence aujourd'hui aussi à Alger avec Mickaël. Mon ami, avant tout, et associé. Nous sommes contents d'être là, d'ouvrir la première boutique à Alger. Et en espérant en ouvrir plusieurs. Voilà. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci, merci d'être venus aussi nombreux pour cette soirée. Ça nous fait plaisir que vous puissiez partager avec nous l'inauguration de notre première boutique. C'est beaucoup de travail, hein. Je ne vous cache pas que ça fait quelques mois qu'on travaille d'arrache-pied sur ce projet.
On est très content ce soir de pouvoir vous montrer le résultat de tous ces efforts. J'espère que c'est satisfaisant pour vous, que vous trouvez la boutique à votre goût. L'objectif de cette soirée pour nous, il est double. Le premier, c'est de faire connaître cette boutique et notre travail et toute la collection Gresley qui va avec au plus grand nombre de personnes possibles. Et merci à tous les titres de presse, aux influenceurs qui ont accepté notre invitation pour venir témoigner justement de ce qu'on a fait. On espère que ça vous satisfait. Évidemment, on sera là pour répondre à toutes vos questions tout à l'heure pendant le cocktail. N'hésitez pas à nous solliciter pour qu'on puisse expliquer notre philosophie, le projet de l'entreprise, parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Moi qui suis très bavard, vous verrez que si vous me lancez sur certains sujets, je peux tenir plusieurs heures si vous voulez. Le second objectif, c'était aussi de remercier tous les partenaires qui nous ont aidés à finaliser ce projet en fait. Ils sont dans cette pièce aussi, que ce soit des partenaires financiers, comptables, des entreprises qui ont travaillé sur les travaux. Enfin, je passe, pas toutes les citer parce que je vais forcément en oublier, ça serait maladroit. Mais tout ça, c'est le résultat d'un travail collectif et c'était important pour nous d'associer tous les gens qui nous ont aidés à travailler pour créer cette boutique. J'en profite également pour remercier l'équipe qui travaille avec nous au quotidien, Walid qui est là, Malika également qui est quelque part dans la salle. Là aussi, c'est un travail d'équipe et on ne peut pas réussir sans s'appuyer sur d'autres personnes qui croient en nous, qui croient avec nous dans ce projet. Et comme le dit Nadir, on espère que cette première boutique n'est que la première. En fait, notre ambition, c'est de pouvoir proposer la collection Gresley dans différents points de vente en Algérie, à commencer par Alger, mais on pense aussi à des villes de province qu'on aura en Sétif dans les trimestres à venir, on va dire, le temps de confirmer le lancement ici et de continuer à se développer. Voilà. Donc on a beaucoup d'ambition, on souhaite apporter une référence en matière de rapport qualité-prix, en fait, c'est notre objectif. Ce que j'ai dit tout à l'heure, un journaliste qui me posait la question, c'est finalement notre philosophie, c'est de faire du prêt-à-porter, en fait, et pas du prêt-à-jeter. L'ultra fast fashion, on considère que c'est fini. On n'est pas là pour faire des coups et proposer des produits qui, dans 6 mois, vont se délaver, se déformer et qui vont décevoir le client qui les a achetés. Notre volonté, c'est d'avoir un rapport qualité-prix de référence sur Alger, avec une qualité irréprochable et un choix, en effet, des matériaux, des techniques de couture qui est haut de gamme, en fait, mais un prix qui reste abordable. Et fidéliser nos clients sur la durée. On souhaite et que l'histoire entre nous et nos clients soit la plus longue possible. Parce qu'on pense qu'un projet d'entreprise, ça ne se fait pas sur un an ou deux, c'est une ambition à long terme et une volonté d'apporter finalement à Alger ce qui nous semble un peu manquer sur le marché local, un rapport qualité-prix qui soit bien positionné. On sait que beaucoup de nos clients aujourd'hui ne trouvent pas forcément ce qui les satisfait à Alger, donc ils profitent de leur voyage personnel ou professionnel pour acheter des vêtements à l'étranger. Bon, on se dit que c'est quand même dommage de ne pas pouvoir leur apporter ici le rapport qualité-prix qu'ils cherchent. Donc c'est un peu ça, si je dois résumer le business model finalement en un mot, c'est ça, c'est des prix qu'ils peuvent trouver à l'étranger, mais pas forcément toujours à Alger. En tout cas, on espère que c'est ce qu'ils vont trouver chez nous. Je vais m'arrêter là, sinon je vais partir sur des discours interminables. Merci encore une fois à tout le monde d'être venu. Le buffet est ouvert, notre ami saxophoniste va également agrémenter la soirée avec un peu de musique, et puis on est à disposition pour répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup. شكون معنا؟ نادر خياطين. الوغ كيفاش بدات لافونتور؟ كيفاش بدات لافونتور في 2015 بديت في 2015 في تولو في فرنسا بديت لا برودكسيون تاعي جينا 2016
2022 en Algérie. Donc comment ça se passe? Nous, la production Perna, la création Perna, tout le design, là, notre mot. Nous développons tout notre production en Algérie pour après faire la fabrication en Europe. Où est-ce que la touche t'a comme par rapport aux autres? La touche, la qualité. Aujourd'hui, ce qui a fait le marché algérien, 80% c'est pas de la qualité. Nous, on a une qualité, un savoir-faire, et ça, c'est pas donné à tout le monde. Bon continuation, bravo, baraka alaykoum. Aïe, c'est le mec, comme ça. Aïe, c'est le mec. Sailor Rent.